بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيسرني أن نلتقي وأن نجتمع في بيت من بيوت الله لنتذاكر آيات كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشكر الإخوة الذين قاموا بهذا الاستدعاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال أما موضوع اليوم فهو تربية النفس على العبادة فإن الله سبحانه وتعالى قد امتدح أقواما الذين يعبدونه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وكانوا لنا عابدين فمن عباد الله تبارك وتعالى من يعبدونه بإخلاص وكمال تام وهؤلاء العابدين صبروا على عبادة الله لأن عبادة الله عز وجل تتطلب صبرا وعلى العابد لله عز وجل أن يتصبر في مشقة العبادة لأنها ليست أمرا هيئا لأن الجنة ثمنها ليس رخيصا Donc je remercie les frères qui m'ont invité dans cette mosquée afin de se rappeler et de s'entraider et de se conseiller mutuellement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et nous demandons à Allah azza wa jal de nous accorder la sincérité dans les actes et dans les paroles et que ces actes et ces paroles pieuses soient acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc un plaisir pour moi d'être parmi vous dans une des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, les endroits les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les endroits les plus aimés chez Allah sont les mosquées et les plus détestés sont les marchés. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'éducation que doit avoir le musulman vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala demande une certaine éducation. La personne doit s'auto-éduquer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons et de la façon la plus pratique, la plus simple et celle qui porte le plus de fruits. Et Allah azza wa jalla a fait l'éloge dans son Coran de ceux qui l'adorent subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a parlé de ses serviteurs et a dit « Et ce sont des serviteurs qui m'adorent »
Les serviteurs qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité, ils adoraient Allah azza wa jal en patientant dans cette adoration. Car la patience est de trois types. Il y a la patience dans l'adoration d'Allah. Il y a la patience dans les interdits d'Allah. Il y a la patience dans les décrets et le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Patienter dans l'adoration, c'est-à-dire de redoubler d'efforts durant cette adoration, car il faut dire les choses comme elles sont. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala demande de l'effort, et elle est facile pour celui à qui Allah azza wa jal l'a facilité, mais pour d'autres l'adoration est éprouvante et demande de faire beaucoup d'efforts, de même que la patience dans les péchés, c'est-à-dire de patienter pour ne pas tomber dans ce péché, car cela aussi demande des efforts, de s'abstenir, de ne pas dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées, et également de patienter dans le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, car il peut arriver durant ta vie des choses qui te touchent, comme la perte d'un proche ou autre, et cela demande de la patience pour surmonter cette épreuve. Et Allah Azza wa Jalla a dit wa bashshir as-sabirin, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent lorsqu'une mauvaise nouvelle leur parvient. Wa min an-namadij min alladhina ya'buduna Allah subhanahu wa ta'ala wa 'urifu wa kanu namajijan min asma an-namadij في عبادة الله تبارك وتعالى نذكر على سبيل المثال مريم عليها السلام. مريم عليها السلام التي اتخذت مكانا شرقيا أي مكانا بشرق مسجد الأقصى، اتخذت فيه مكانا تعبد الله سبحانه وتعالى فيه، تعبد الله وتذكره. والله عز وجل أخبر أن زكريا عليه السلام الذي كفل مريم كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قالت أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فكانت تعبد الله عز وجل طوال الليل وطوال النهار، وكان الله عز وجل يأتيها من رزقها بدون أن يشعر أحد. وقد كان زكريا عليه السلام لما يخرج حين يزورها يغلق الأبواب وراءه، ثم يفجأ حين يزورها أن يجد عندها رزقا من الأكل والشرب وغير ذلك. وقد نذرت امرأة عمران، نذرت أن ما في بطنها تنذره ليكون لله سبحانه وتعالى وخادما لله عز وجل، فرزقها الله عز وجل بنتا، وهي كانت تنتظر ولدا، لأن الولد يقوم بصالح المسجد بصفة أكمل أو بأحسن من النساء. الإكزامبل que l'on peut donner parmi les personnes et les êtres humains qui sont l'exemple à suivre dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, beaucoup parmi les prophètes et les vertueux, et l'on peut citer à titre d'exemple Maryam alayhi salam, Marie qui avait pris un sanctuaire à l'est de la mosquée de Jérusalem. وقد يخطئ كثير من المسلمين اليوم في فهمهم أو في تحديدهم للمسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى ليس ذلك المسجد الذي يرى في الصور بالقبة الذهبية، فإن هذا ليس مسجد الأقصى، هذا مسجد الصخر، هذا مسجد الصخر. أما مسجد الأقصى الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وأما
بجميع الأنبياء والمرسلين فإن هذا المسجد بجوار مسجد الصخر وليس مسجد الصخر بالذات. Et beaucoup se trompent quant à la mosquée de Jérusalem. Beaucoup pensent que c'est cette mosquée au dôme doré qui est représentée ou est photographiée de façon importante, au point que les gens ont cru que c'était la mosquée de Jérusalem. Or, ce n'est pas celle-ci, la mosquée de Jérusalem. Cette mosquée est appelée Masjid al-Sakhr, la mosquée de Jérusalem, dans laquelle a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans laquelle il a présidé la prière, et derrière lui l'ensemble des envoyés et des prophètes. C'est une mosquée qui est juste à côté, à proximité de Masjid al-Sakhr, mais ce n'est pas cette mosquée au dôme en or. ثم العبادة لا بد لها من علم فإذا أردت أن تعبد الله عز وجل حق عبادته فلا بد أن تتعلم لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع فلا ينبغي لأي أحد أن يعبد الله عز وجل بطريقة يستحسنها هو بدون أن يكون فيه شرع إما آية في كتاب الله أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثرا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. Et cette adoration demande de la science. Pour adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, tu dois apprendre, car nul n'a le droit d'adorer Allah Azzawajal comme il le veut, c'est-à-dire comme cette personne le veut, comme cette personne juge bon. Tu ne dois adorer Allah Azzawajal que de la façon qu'Allah Azzawajal a légiféré ou qu'a légiféré son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ou bien comme l'ont décrit ou comme l'ont rapporté ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. ولذلك كان من اخشى الناس واتقى الناس لله عز وجل العلماء كما قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. Et c'est pour cela que les savants de l'islam sont les plus pieux, sont ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ce sont eux qui connaissent le mieux la religion d'Allah. Ce sont eux qui connaissent le mieux la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc eux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus parfaite. Et c'est pour cela qu'ils font partie des gens les plus pieux, comme l'a attesté Allah azza wa jal. Innama, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Thumma al-ibadah لا بد لها من المسارعة والمسابقة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالعبادة يطلب فيها للمسلم أن يسارع إليها وأن يستبق المسلمين عليها، وهذا خاص بالعبادة. أما في غير العبادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يرشدنا بالتؤدة، والتؤدة هي التأني والوقار والسكينة وعدم الاستعجال في الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا التأني خير في الأشياء كلها إلا في عمل الآخرة.
إلا في عمل الآخرة وهي العبادات فإنه ينبغي لك أن تسارع إلى فعل الخيرات. L'adoration demande ou pour adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit et pour ne pas perdre de temps, il faut accourir vers cette adoration. Il faut se hâter vers celle-ci, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et concourir vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis dont la largeur est équivalente aux cieux et à la terre. Et Allah Azza wa Jal a dit également, accourez et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre. Et donc demandez aux musulmans, dans le cadre de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se presser à accomplir le bien. Fastabiqul khayrat, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans un autre verset, et empressez-vous dans les bonnes choses. Ne laisse pas une occasion passer sous ton nez quand c'est une occasion pour te rapprocher de ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé à cela dans un hadith authentique lorsqu'il dit At-ta'anni wa at-tu'ada, qui est le fait de faire les choses sereinement, de faire les choses en toute sérénité, de faire les choses en prenant son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sérénité est une bonne, est une chose, est un bien dans toute chose, sauf dans les actes de l'au-delà. Sauf dans les actes de l'au-delà, alors n'attends plus et fais ce que tu peux faire autant que tu le peux et ne laisse surtout pas une occasion t'échapper. وكذلك العبادة يطلب فيها الاستمرار يطلب فيها الاستمرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال الله عز وجل لا يزال عبدي لا يزال يعني لا يزال عبدي يعبدني ويستمر في عبادتي على وجه الدوام والاستمرار حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة أي إذا حججت فحاول أن تعتمر وإذا اعتمرت حاول أن تحج وهكذا بالاستمرار. والاستمرارية المعروف فيها أنها تصلح مع القلة، فالعمل القليل الدائم خير من العمل الكثير المنقطع، خير من العمل الكثير المنقطع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. Et l'adoration d'Allah Azza wa Jal demande aussi une continuité, d'avoir une adoration qui continue, qui est régulière. Allah Azza wa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mon serviteur ne cesse de m'adorer jusqu'à ce que je l'aime. Et dans ce hadith, on comprend qu'aussi qu'Allah Azza wa Jal dit, lorsque mon serviteur ne cesse de m'adorer, c'est-à-dire qu'il m'adore de façon continuelle, de façon régulière, il ne m'adore pas pendant le mois du Ramadan et me délaisse durant les autres mois, il ne m'adore pas le vendredi ou le week-end, il ne m'adore pas le reste de la semaine, non, le serviteur ne cesse de m'adorer de façon régulière jusqu'à ce que je l'aime.
Et lorsque je l'aime, je serai l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend, le pied par laquelle il marche. C'est-à-dire que celui qu'Allah Azza wa Jal aime, il préservera sa vue et facilitera à ce serviteur de ne voir que les choses licites. Il sera l'ouïe par laquelle il entend, par laquelle Allah Azza wa Jal sera l'ouïe par laquelle il entend, c'est-à-dire le serviteur, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal te facilitera à entendre ce qui est licite et à t'éloigner d'écouter des choses interdites. Il te facilitera également de faire avec tes mains des choses licites et de te rendre en marchant vers des lieux qui sont licites. Et dans l'adoration, la meilleure des adorations est celle qui est continuelle et régulière, même si elle est en petite quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, parmi les actes, lesquels sont les meilleurs ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les plus réguliers, même s'ils sont en petite quantité. ثم العبادة يتطلب فيها الاجتهاد والمجاهدة في العبادة فالاجتهاد في أمر العبادة من سمات الصالحين ومن سمات عباد الله المتقين وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أحوالا عدة يبين أحوال عباده المؤمنين الذين يجتهدون في العبادة وقال تعالى على سبيل المثال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم ما معنى تتجافى جنوبهم أي يستيقظون ويخرجون بسرعة من أساريرهم الذي كانوا ينامون فيها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار أي في أول النهار وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Et dans l'adoration, comme je l'ai dit en introduction, il est demandé de produire des efforts, d'être courageux et de produire des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est ce qui caractérisait les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces serviteurs vertueux qui produisaient les efforts les plus grands pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal nous a donné dans le Coran des exemples de parmi ces serviteurs qui étaient courageux et produisaient des efforts considérables pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, les croyants ou ceux qui ont cru en nos signes, lorsque l'on leur rapporte nos signes, ils se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifient sans être mustakbir, c'est-à-dire sans avoir de l'ostentation. Puis Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset qui suit, tatajafa junubuhum anil madaji', ils s'arrachent de leur lit, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, pour adorer leur Seigneur avec de l'espérance et de la crainte. Ils s'arrachent de leur lit, c'est-à-dire durant les heures de la nuit dont le sommeil est délicieux,
Le sommeil de la nuit est un sommeil très délicieux. Et pour se lever de son lit, en plein milieu de la nuit, cela demande des efforts. Et ceux qui craignent Allah Azzawajal, et ceux qui veulent l'adorer comme il se doit, s'arrachent de leur lit. C'est-à-dire que ce sommeil ne les retient même pas. Ils se lèvent sans éprouver de difficultés. C'est une chose aisée pour eux car ils en ont l'habitude. Ils se lèvent pour adorer Allah Azzawajal par crainte et par espérance, par crainte du châtiment d'Allah Azzawajal et par espérance de sa récompense et de son paradis subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azzawajal a dit également dans un autre verset, كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Ils dormaient très peu la nuit. وَبِلَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et durant les premières heures de la journée, c'est-à-dire au tout début de la journée, ils demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se lèvent donc la nuit pour prier. Et durant les premières heures de la journée, qui sont les heures les plus bénies, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, بورك في أمتي في بكورها أو البركة في أمتي في بكورها. La baraka, la bénédiction d'Allah Azzawajal pour cette communauté se trouve dans les premières heures de la journée. Et celui qui veut essayer, qu'il essaye et il verra les fruits. Il verra les fruits de du fait de se lever le matin tôt et de faire ce que tu as à faire, que ce soit lire du Coran, que ce soit apprendre la science, ou que ce soit même pour travailler et pour commercer. Les premières heures de la journée sont les heures les plus bénies. Celui qui commerce le matin, ce n'est pas comme celui qui commerce le soir. Celui qui apprend le matin, ce n'est pas comme celui qui apprend le soir. Et les serviteurs pieux d'Allah Azzawajal prient la nuit et profitent en plus des premières heures de la journée. والذي ينظر في حال السلف الصالح فإنه يتعجب لهم يتعجب من حرصهم ومن اجتهادهم في عبادة الله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة فقال من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا وأبو بكر رضي الله عنه لم يقل هذا تفاخرا وتكابرا وإنما أجاب بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أبو بكر لأنه كان معروفا بتواضعه رضي الله تعالى عنه فقال أنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم تابع جنازة فقال أبو بكر أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من منكم أطعم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم عاد مريضا اليوم فقال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Et celui qui regarde le comportement de nos pieux prédécesseurs et les efforts qu'ils donnaient dans l'adoration d'Allah Azzawajal, ils n'en finiraient pas d'être étonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une série de questions à ses compagnons radiallahu anhum et leur a dit, qui aujourd'hui jeûne? Abu Bakr radiallahu anhu a répondu, moi ou envoyé d'Allah. Et Abu Bakr radiallahu anhu n'a pas répondu par ostentation. Il en est exempt, radiallahu anhu.
mais il s'est contenté de répondre à la question du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et si cette question n'avait pas été posée, il n'aurait pas dit de telles paroles devant l'ensemble des compagnons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui aujourd'hui a suivi un cortège funèbre? Abu Bakr radiallahu anhu a dit: moi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit: moi, ou envoyé d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui parmi vous a visité un malade aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit: moi, ou envoyé d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque toutes ces choses sont réunies chez une personne, il entrera au paradis. Et dans une autre version, lorsque tous ces actes, toutes ces adorations sont réunies chez une personne le même jour, il entrera au paradis. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه ممن يدعون من أبواب الجنة الثمانية رضي الله عنه. Et c'est pour cela qu'Abu Bakr رضي الله عنه fera partie des gens qui seront appelés par les huit portes du paradis. Vous savez que les portes du paradis sont au nombre de huit. Chacune, ou par chacune de ces portes, entreront les gens qui auront accompli certaines adorations. Il y aura la porte du jeûne, appelée Ar-Rayyan. Il y a la porte de l'aumône. Il y a aussi la porte de l'obéissance aux parents, comme l'a dit le professeur Assalam. Al-Walidu awsat abwab al-Jannah. أي طاعة الوالدين وبر الوالدين فإنه جعل له لعظمته وأهميته جعل له بابا في الجنة. Et Abu Bakr radiallahu anhu, qui est le numéro 2 de l'islam, la meilleure des créatures après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, la meilleure de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, et il sera appelé par les huit portes du paradis. وقد كان السلف يجتهدون في العبادة ومنهم حماد بن سلمة رضي الله عنه كما أخبر عنه الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا ما قدر أن يعمل أن يزيد في عمله شيئا فهو بالغ في أعماله وعبادته إلى النهاية. Celui qui regarde le comportement des pieux prédécesseurs, comme je l'ai dit, il sera étonné et n'arrêtera pas d'être étonné. Hamad ibn Salama, comme le rapporte Abdul Rahman ibn Mahdi rahimahullah, il dit: si l'on annonçait à Hamad ibn Salama qu'il allait mourir demain, il n'aurait plus rien à rajouter. Il ne trouverait pas d'adoration à ajouter. Pourquoi? Car il s'efforce de faire son maximum. Il s'efforce de faire son maximum au point que même si on lui a annoncé que demain il allait mourir, une personne à qui l'on annonce qu'il va mourir demain, il va faire tout son possible pour multiplier ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de récolter le plus de bonnes actions avant de mourir. Et bien Hamad ibn Salama n'aurait pas trouvé, car il fait déjà tout ce qu'il peut. Wa kana as-salaf rahimahumullah yakhtatimun al-Qur'an wa yaj'aluna lahu subu'an yaqra'unahu fil yawm. فكانوا يختمون القرآن في الأسبوع بل وقد كان وهذا أقصى شيء كانوا يختمون القرآن كل ثلاثة أيام وهذا الحد الأدنى أو الأقصى الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان من السلف من يقوم الليل رضي الله عنهم ومن شدة القيام يرفع رجليه على الجدار ليعود الدم إلى جسده. Et les salafs consacraient une partie du Coran qu'ils devaient lire
et beaucoup consacraient un septième du Coran qu'ils devaient lire dans la journée. Ils terminaient donc le Coran en sept jours, et beaucoup d'autres le terminaient en trois jours, et c'est le maximum. Et parmi les pieux prédécesseurs qui priaient beaucoup la nuit, et le matin, après avoir veillé la nuit en adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et en prière, ils posaient leurs jambes sur un mur pour que le sang redescende, pour que le sang redescende vers le corps, car vous savez tous que le fait de rester beaucoup debout, le sang a du mal à remonter, et ce qui explique des fourmis aux pieds et autres. Les salafs, donc, radiallahu anhum, s'efforçaient d'adorer Allah azawajal en prière, en jeûne, en aumône, en lecture du Coran, en rappel d'Allah azawajal, en aidant ceux qui sont en difficulté, en visitant les malades. Et même parmi eux, rusaient avec leurs femmes, comme les femmes rusent avec leurs enfants. Certains rusaient avec leurs femmes. Lorsqu'ils dormaient, ils faisaient exprès de dormir. Et une fois persuadés que leur femme était partie et que son sommeil était profond, ils se levaient tout doucement et allaient prier la nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala et revenir sans que leur femme ne se doute de quoi que ce soit. Ainsi étaient les pieux prédécesseurs. Comme l'a dit l'auteur, comme l'a dit le poète, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kiram falahu, et ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux, car de ressembler aux vertueux est une bonne chose ou est une félicité. Thumma amran muhimman kadhalik بالنسبه للعباده ان يحذر المسلم من الاملال ان يمل في العباده فليس المقصود بالمداومه على العباده التشدد فيها فليس المقصود من المداومه التشدد فيها لان التشدد يؤدي الى التامل والى الملل والعياذ بالله وقد يؤدي هذا بالمسلم إلى أن يترك العبادة بالكلية فالعبادة لابد أن تكون اقتصادية وما معنى الاقتصاد في العبادة؟ الاقتصاد في العبادة أولا أنك لا تتنزل عن الواجبات الواجبات لا تتنزل فيها ثم داوم على ما تستطيع من النوافل فإذا وجدت نشاطا فأكثر من النوافل ومن الأمور المستحبات وإذا وجدت ضعفا فأقصر عن هذه الأمور المستحبات لكن إياك أن تتنزل عن الواجبات. Il faut prendre garde à la lassitude dans l'adoration. Car la régularité dans l'adoration et d'adorer Allah Azzawajal de façon régulière ne signifie pas d'abuser dans l'adoration et de faire plus que ce que tu peux faire de peur d'être lassé. Et la lassitude qu'Allah nous en préserve peut amener la personne à tout délaisser. Combien de personnes ont écouté un cours, une conférence, une exhortation qui a fait en sorte que leur foi augmente et qui les a encouragés et les a motivés à adorer Allah Azzawajal, mais ils n'ont pas su canaliser leur motivation et ils ont adoré de façon abusive. Ils ont adoré plus que ce qu'ils pouvaient et ont délaissé tout, wal'iyadu billah. Et on est de même pour l'apprentissage de la science. Comme le disent les savants, celui qui veut apprendre la science d'un coup, elle partira d'un coup. من أراد أن يتعلم وأن يكون عالما بالمرة ذهب عنه العلم مرة واحدة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم La science s'acquiert avec l'apprentissage. On ne devient pas savant du jour au lendemain ou d'une année à la suivante. C'est un apprentissage long qui demande de la patience et qui demande ou qui forge la personne au fur et à mesure du temps. Il faut donc prendre garde à la lassitude. Et comment ne pas se lasser de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment ne pas tomber dans ce piège? La première chose qu'il faut dire, c'est que les adorations obligatoires, tu ne dois jamais les délaisser. C'est un seuil dans lequel tu ne dois jamais être en dessous. Ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné, et les adorations qui sont obligatoires, il t'est interdit de les délaisser. À savoir les prières obligatoires, à l'heure et à la mosquée pour les hommes. Ce n'est pas un plus de prier à la mosquée pour les hommes, c'est une obligation. Un aveugle est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô envoyé d'Allah, je suis un homme aveugle et je n'ai personne pour me guider à la mosquée. M'autorises-tu de prier chez moi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, je t'autorise. » Puis l'homme est parti et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé. Lui a dit « Entends-tu l'adhan ? Entends-tu l'appel à la prière ?» Il a dit « Oui. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Alors, réponds à cet appel. » Il y a donc des choses obligatoires dans lesquelles le musulman ne peut pas se passer et qu'il est obligé de faire. Celles-ci, tu dois les faire tout le temps. Ensuite, les adorations surérogatoires, comme d'invoquer Allah Azzawajal, comme de se rappeler Allah Azzawajal, comme de lire le Coran, etc. Ce sont des choses recommandées. Et tu dois te donner un moment dans la journée dans lequel tu te rappelles Allah, dans lequel tu invoques ton Seigneur, et dans lequel tu lis le Coran. Combien de personnes n'ouvrent le Coran que pendant le mois du Ramadan? Et tout le reste de l'année, ils n'ont jamais ouvert le Mushaf. C'est une honte pour un musulman de ne pas lire le livre de leur Seigneur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue sur l'ensemble de l'humanité et des djinns. C'est un livre sacré qui guérit les cœurs et qui augmente la foi. C'est un livre que tu ne dois pas délaisser, bien au contraire. Les choses donc surérogatoires, tu dois les faire de façon mesurée. Lorsque tu te sens bien, tu te sens motivé, alors fais autant d'actes surérogatoires que possible. Mais lorsque tu sens une baisse de foi, lorsque tu sens une certaine lassitude, alors réduis les actes surérogatoires. Mais ne délaisse jamais les actes obligatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre ceux ou contre le fait d'adorer Allah azza wa jal plus que tu ne le peux. فقد دخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممتدا بين ساريتين فقال ما هذا فقالوا حبل تعتمد عليها زينب بنت جحش حينما تجد فترا وتعبا في صلاتها فكانت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم امتدت حبلا بين ساريتين في المسجد حبلا بين ساريتين فكانت تصلي الليل وإذا تعبت وجاها التعب والفطور كانت تعتمد على ذلك الحبل حتى تبقى قائمة ومصلية لله سبحانه وتعالى
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه حلوه أي حلوا هذا الحبل وفكوه ثم قال ليصلي أحدكم نشطه فإذا فتر فليقعد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ثم قال إذا أراد أن يصلي أحدكم فليصلي إذا وجد نشاطا وإذا تعب فليقعد أي فليجلس من تعب أن يصلي قائما فليجلس وليصلي قاعدا كما قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب Le prophète صلى الله عليه وسلم est rentré à la mosquée et a vu une corde tendue entre deux poteaux. Il a demandé quelle est cette corde. Ils ont dit c'est la corde sur laquelle se repose Zaynab bint Jahsh, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se repose sur cette corde lorsqu'elle prie la nuit et qu'elle est prise de fatigue. Elle se reposait sur cette corde pour rester debout et prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit halluhu, défaites cette corde. Lorsque vous priez, priez selon vos possibilités, selon votre motivation, et celui qui est fatigué, qu'il s'assied. Celui qui est fatigué, qu'il s'assied. Ça ne sert à rien d'adorer Allah Azzawajal et de te forcer à adorer Allah Azzawajal plus que tu n'en as la possibilité. Wa kadhalika qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li 'Amr ibn al-'As radiyallahu anhu وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرا كان يصوم النهار متتابعا وكان يقوم الليل كله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بذلك عمرو بن العاص قال نعم يا رسول الله إني أقوم الليل كله وأصوم النهار وأتتابع أي أصوم يوما بعد يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك حقا وإن لأهلك حقا وأعطي لكل حق لكل ذي حق حقه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفطر صم وأفطر وصلي ونم Abdullah ibn Amr al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été informé qu'il priait toute la nuit et qu'il jeûnait les jours consécutifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé si cela était vrai. Et Amr ibn al-As, radiallahu anhu, Abdullah ibn Amr al-As, a dit oui, envoyé d'Allah, cela est vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, hajamat aynuk. C'est-à-dire que si tu continues ainsi, tu vas fatiguer tes yeux. Tu vas fatiguer tes yeux. Le fait d'éveiller toute la nuit, de rester éveillé toute la nuit, va porter atteinte à tes yeux. Et ta personne va se lasser. Tu vas te lasser si tu continues ainsi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as envers ton corps où ton corps a des droits sur toi de même que ta famille a des droits sur toi jeûne et rompe prie et dors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Amr ibn al-As pour ne pas porter atteinte à sa personne de s'abstenir d'adorer Allah azza wa jalla de cette façon car cela va apporter de mauvaises choses Le corps a des droits sur toi. Le corps qu'Allah Azzawajal a mis à ta disposition. Car ce corps que tu as, ce n'est pas le tien. Le corps que tu as n'est pas le tien. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal ne dit-il pas « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Lorsque « Aladina idha asabatu musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Lorsque un malheur les touche, ils disent « Nous appartenons à Allah
et c'est vers lui que nous reviendrons. Tu appartiens donc à Allah Azzawajal. Il t'a donné ce corps et l'a mis à ta disposition pour que tu l'adores. Et tu seras questionné sur l'utilisation que tu auras fait de ce corps. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Abdullah ibn Amr al-As, et ton corps a des droits sur toi. » C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Si tu continues à prier toute la nuit, tes yeux vont se fatiguer. Et tu vas être lassé. Et ta famille a des droits sur toi. Le fait de prier toute la nuit, cela signifie que tu ne dors pas avec ta femme. Tu manques donc à ces droits, car parmi les droits que la femme a sur son mari, c'est qu'il doit dormir avec elle. Et rentrer après la prière de l'Isha et ne pas tarder, c'est un droit que ta femme a sur toi. Et le professeur Hassem lui a dit, jeûne et rompe, c'est-à-dire romps ton jeûne. Prie et dors, fais les deux. Repose-toi et adore Allah Azzawajal selon ta capacité physique. ثم أمر مهما كذلك في العبادة وهو الاستدراك على ما فات فإن العبادة فيها استدراك أي من فاته عبادة يجوز له أن يقضيها وأن يستدركها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأ فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته صلاة الليل كان يصلي بالنهار 12 ركعة. Et l'adoration peut être rattrapée. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a raté une prière de nuit qu'il avait l'habitude de faire et qu'il l'a pris entre ou qu'il a pris entre la prière de l'Fajr et la prière de Dhuhr, il lui sera écrit comme s'il l'avait accompli, c'est-à-dire la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il loupait la prière nocturne, il accomplissait 12 unités de prière dans la journée pour rattraper ses prières surrogatoires qu'il a manqué. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه بعض الضيوف بعد صلاة الظهر فجعل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي راتبة الظهر فدخل عند ابنة أمية وهي إحدى زوجاته رضي الله عنها بعد العصر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عندها وصلى ركعتين فأرسلت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنهى عن ركعتين بعد العصر فإن أشار إليك فانصرفي فأرسلت الجارية فأتت وتقربت من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنك نهيت أن تصلي بعد ركعتين بعد العصر فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفت ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته وأخبرها بأنه كان له ضيف في إحدى بيوته صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من صلاة نافلة الظهر أو راتبة الظهر فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des invités dans une de ses maisons, chez une de ses femmes, après la prière de Dhuhr. Et ceci a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas eu la possibilité de prier les deux raka'at que l'on doit, ou qui est recommandé, fortement recommandé de prier après la prière de Dhuhr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu après la prière de l'Asr chez une autre de ses femmes et a prié deux unités, a accompli deux unités de prière. Et lorsqu'il a été questionné sur celle-ci, le professeur Hassan a répondu qu'il avait des invités et ces invités lui ont empêché ou le fait qu'il ait eu des invités ne lui a pas permis
de faire les deux raka'at après le dhuhr. C'est pour cela qu'il les a fait après l'asr. وهكذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف عاما لسبب سفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وذات عام لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف لغرض سفر فقضى هذا الاعتكاف العام المقبل فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما فاعتكف 20 يوما وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث وقال جواز اعتكاف العشر الأوسط من رمضان فاستدل بهذا الحديث على جواز الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان également il est rapporté dans la sunnah du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il faisait la retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du ramadan. Mais une année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu faire cette retraite spirituelle car il était en voyage. Et l'année suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle durant 20 jours. Durant les 20 derniers jours du ramadan, et l'imam al-Bukhari rahimahullah en a fait un chapitre dans son sahih, chapitre de l'autorisation de prier durant la dizaine médiane du ramadan, de faire la retraite spirituelle durant la dizaine médiane du ramadan, c'est-à-dire la deuxième dizaine du ramadan, que cela est autorisé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé sa retraite spirituelle cette année-ci. ثم الذي يعبد الله عز وجل ينبغي له أن يخاف أن يعبد الله عز وجل رهبا ورغبا خوفا وطمعا ومعنى ذلك أنك تعبد الله عز وجل خوفا من أن لا يقبل منك هذا العمل ورجاء أن يتقبل يرحمك الله ورجاء أن يتقبل الله ذلك منك ولا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يغتر بعمله فإن كثير من الناس اغتروا بعملهم وظنوا أنه من أولياء الله ومن الصالحين لأنهم يكثرون العبادات فإن السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا هكذا يعبدون الله عز وجل لكن كانوا يخافون أن لا يقبل منهم Et lorsque tu adores Allah عز وجل tu dois l'adorer avec un sentiment de peur et d'espérance. La peur que cette adoration ne soit pas acceptée de toi auprès d'Allah Azza wa Jal et l'espérance que cet acte soit accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Car beaucoup de gens ont été dupés par leur adoration et se considèrent comme étant des saints et des rapprochés d'Allah Azza wa Jal, car ils adorent beaucoup Allah Azza wa Jal. Mais ont-ils la certitude que tous ces actes sont acceptés de lui? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs de cette communauté n'étaient pas ainsi. Ils avaient peur que leurs adorations ne soient pas acceptées, mais ils espéraient qu'elles soient acceptées. Et c'est cette espérance qui les motivait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la peur qu'il ne soit pas accepté faisait en sorte qu'il faisait cette adoration de façon parfaite, qu'il soignait cette adoration pour qu'il y ait le plus de chances possible qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن آية في كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أي قلوبهم خاشعة خائفة فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يشربون الخمر ويسرقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات كما
جاء في سنن الترمذي والحديث صحيح. عائشة رضي الله عنها a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un verset du Coran où Allah Azza wa Jal dit: et ceux qui donnent lorsqu'ils donnent, c'est-à-dire lorsqu'ils donnent en aumône, et leurs cœurs sont craintifs. Ils donnent en étant peureux, en ayant peur. Et Aïcha radhiyallahu anha a dit, ou a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ces personnes sont-ils celles qui boivent de l'alcool et qui volent? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, non, ô toi la fille du véridique, Yabnat al-Siddiq, mais ce sont des personnes, ou ce sont ceux qui jeûnent, qui prient, qui donnent en aumône, mais qui ont peur que cela ne soit pas accepté d'eux. Ce sont ceux-là, ceux qui accourent vers les biens. Ce sont ceux-là, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, en ayant cette crainte, ce sont eux qui accourent vers les bonnes actions, et c'est ceci qui les motive. وقد جاءت النصوص الكثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشهرها قول أبي الدرداء رضي الله عنه فقال إن لئن لأن أستيقن أن الله عز وجل تقبل مني صلاة واحدا أحب إلي من الدنيا وما فيها ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Abu Darda radiallahu anhu a dit: si j'étais sûr qu'Allah Azza wa Jal avait accepté de moi une seule prière, cela me serait plus préférable à mes yeux que toute la terre et ce qu'elle contient. N'avez-vous pas lu la parole d'Allah Azza wa Jal: Allah n'accepte que des pieux. Allah n'accepte que des pieux. Et si Abu Darda radiallahu anhu avait eu la certitude qu'une seule de ses prières serait acceptée, cela voudrait dire qu'il était pieux et que l'ensemble de ses actes également serait accepté. فَلَا يَغْتَرَّنَّ الْمُسْلِمْ بِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ وَكَثْرَةِ صِيَامِهِ وَكَثْرَةِ صَدَقَاتِهِ وَخُصُوصًا الصَّلَاةِ وَالَّذِينَ يُكْتِرُونَ مِنَ الصَّلَاةِ وغراتهم هذه الصلاة وهذه الكثرة فظنوا أنفسه من أولياء الله ومن الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب أو يصلي أحدكم ولا يكتب من صلاته إلا نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، سدسها، سبعها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وينصرف وقد كتبت له من صلاته نصفها. فأقصى شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو النصف، لم يقل أكملها، قال نصفها، ثم ربعها، ثم ثلثها، ثم ثلثها، ثم ربعها، ثم خمسها إلى سبعها. Il ne faut donc pas être la victime d'une certaine ostentation ou de sa prétention à beaucoup adorer Allah Azza wa Jal, à beaucoup prier, à beaucoup jeûner, à beaucoup donner en aumône et se considérer comme étant un saint et un pieux qui n'a plus peur de l'enfer et qui a son ticket d'office, le ticket d'entrée au paradis. Le musulman ne doit pas tomber dans ce piège. Et s'il y avait un hadith à citer sur ce sujet, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: lorsque l'un d'entre vous prie, il n'est compté de sa prière que la moitié, que le tiers, que le quart, que le cinquième, que le sixième, que le septième. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a donné la part la plus grande d'acceptation d'une prière qui est de la moitié. L'un d'entre vous prie et il n'est compté de sa prière que la moitié, puis le tiers, puis le quart, puis le cinquième. Le professeur Asselin veut nous dire dans ce hadith qu'on ne doit pas avoir la certitude que notre prière est acceptée. On doit espérer qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, mais en aucun cas en avoir la certitude.
وكذلك مما ينشط في العبادة أن يقرأ المسلم ما ينشطه من آيات كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدث عن أجر العابدين، فإن هذا أمر يشجع النفس والأجور تتحمس، أو الذي يعرف أجر عبادته فإن هذا يحمسه ويجعله يرغب في تلك العبادة. Une chose importante dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et ce qui motive à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lire les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlent des récompenses des différentes adorations. Car lorsque tu connais la récompense de tel ou tel acte, cela te motive. La récompense motive l'être humain. Si tu veux que quelqu'un travaille bien pour toi, donne-lui un bon salaire. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, donne-lui ou promets-lui quelque chose de valorisant et tu verras qu'il n'hésitera pas une seule seconde à te rendre ce service. Donc, de lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des différentes récompenses est quelque chose d'important et quelque chose qui va faire en sorte que tu vas être motivé de façon régulière et de façon perpétuelle à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de rester avec des personnes qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, de la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil est meilleur que d'affranchir 4 esclaves. Est meilleur que d'affranchir 4 esclaves et également de rester avec des personnes qui se rappelle Allah Azza wa Jal, de la prière de l'Asr jusqu'à la prière de l'Maghrib est meilleur que d'affranchir 4 esclaves. Demandons à Allah Azza wa Jal qu'il fasse en sorte que l'on fasse partie de ces personnes. Et en lisant ce hadith, on peut dire quelle est la récompense d'affranchir 4 esclaves. Écoutez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: celui qui a affranchi un esclave, Allah Azza wa Jal affranchit chacun de ses membres du feu de l'enfer, même la partie génitale pour la partie génitale. Lorsque tu affranchis un esclave, Allah Azza wa Jal épargne chaque membre que tu as libéré de cet esclave, et bien Allah Azza wa Jal épargne ces mêmes membres t'appartenant, mais au feu de l'enfer. Si tu as affranchi un esclave, Allah Azza wa Jal épargnera tes bras, tes jambes, ton corps du feu de l'enfer. Et le prophète sallam a dit pour montrer que c'est vraiment tous les membres, même les parties génitales, pour les parties génitales. Comme tu as affranchi la partie génitale de cet esclave, eh bien Allah Azza wa Jal te préservera également ta partie du feu de l'enfer. Et le prophète sallam a dit également: celui qui dit après avoir accompli les ablutions, Subhanak Allahumma bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et c'est la même invocation que l'on dit après une assise. C'est une invocation authentique que l'on dit après avoir accompli les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors il sera écrit dans un parchemin qui sera scellé et restera ainsi jusqu'au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également à l'une de ses femmes qui invoquait Allah Azza wa Jal de la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai dit une chose, j'ai dit 4 paroles 3 fois. J'ai dit 4 paroles 3 fois. Si elles étaient comparées à tout le rappel que tu as fait dans la journée, elles ne les vaudraient pas. Si elles étaient comparées, les 4 paroles que j'ai dites 3 fois seraient meilleures que tout ce que tu as dit toute la journée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. De le dire trois fois est plus valorisant et plus méritoire que d'invoquer Allah Azza wa Jal du lever du soleil, de la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil. Et le professeur Hassan a dit en parlant du Coran, celui où une peau qui réunit le Coran est interdite à l'enfer. Allah l'interdit à l'enfer. Le professeur Hassan a dit une peau qui rassemble le Coran. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que celui qui connaît le Coran par cœur, et le Coran est dans sa poitrine, c'est-à-dire il est dans sa peau, eh bien Allah Azza wa Jal interdira l'enfer à ce corps et à cette peau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a dit en parlant du Coran que le Coran viendra le jour du jugement et dira à Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah, habille-le, c'est-à-dire de celui qui connaît le Coran, de la couronne de la bonté. Puis Allah Azza wa Jal lui donnera la couronne de la bonté. Puis le Coran dira, accorde-lui le bijou de la bonté. Allah Azza wa Jal donnera le bijou de la bonté. Puis le Coran dira, oh Allah, sois satisfait de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui. Puis Allah Azza wa Jal dira, iqra warqa, lis, c'est-à-dire le Coran que tu connais. Wa yuzadu kulla ayatin hasana, et chaque verset qu'il lira, ce sera une bonne action en plus à son compte. Et beaucoup d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith de Takbiratul Ihram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith jugé bon, celui qui prie 40 jours, man salla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ihram al-ula kutibat lahu bara'atan, bara'atun min an-nifaq wa bara'atun min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie 40 jours dans la mosquée en groupe sans que le premier takbir, sans rater le premier takbir de l'imam, il lui sera écrit où il bénéficiera de deux, il sera exempté de deux choses. Il sera exempté du feu de l'enfer et il sera exempté du châtiment de la tombe. Il sera exempté du feu de l'enfer et il sera exempté du châtiment de la tombe. Ce sont des occasions que le musulman ne doit pas louper. Surtout s'il habite à proximité de la mosquée. Il doit essayer d'appliquer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'efforcer à prier 40 jours à la mosquée, les 5 prières, sans que le premier takbir, sans rater le premier takbir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu un homme au paradis traverser le paradis grâce à un arbre qu'il a coupé qui, sur une route et qui portait atteinte aux gens. Des actes des fois qui sont minimes mais qui sont grands chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un homme est rentré au paradis car il a vu un arbre sur le chemin des gens qui les dérangeait. Il a coupé cet arbre et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait entrer au paradis. Puis le professeur Hassan m'a dit également, pour montrer les bienfaits, les mérites de la visite du malade, celui qui visite un malade, chaque musulman ou tout musulman qui visite un malade musulman, Allah Azza wa Jalla envoie 70 000 anges qui prient sur lui في أي ساعة النهار حتى يمسي وأي ساعة الليل حتى يصبح. Si cet homme, si ce musulman a rendu visite à son frère le matin, Allah Azza wa Jal enverra 70 000 anges qui viendront prier sur cet homme. Que signifie la prière des anges? C'est-à-dire l'éloge des anges. Les anges viendront, ces 70 000 anges viendront et feront l'éloge dans les cieux, l'éloge de cette personne qui a rendu visite à son frère musulman malade. S'il lui a rendu visite le matin, les anges prieront sur lui jusqu'au soir.
Et s'il a rendu visite le soir, les anges prieront sur lui jusqu'au matin. Et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont nombreux et qui montrent les mérites des différentes adorations, comme de prier à la mosquée, de se rendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a dans chaque pas 10 hasanat, et celui qui se rend à la mosquée et qui attend l'autre prière, il sera considéré comme étant en prière jusqu'à l'autre prière. Et la récompense des 10 hasanat pour chaque pas qu'il aura accompli valent à la fois pour son trajet aller, mais également pour son trajet retour. Il faut donc lire ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlent et qui nous montrent les récompenses des différentes adorations. Ceci nous motive et nous donne la force d'accomplir ces différentes adorations. Et je vous conseille de lire le livre Riyad al-Salihin, et en particulier Kitab al-Fada'il, le livre des mérites. Dans Riyad al-Salihin, il y a un livre appelé le livre des mérites, où l'imam al-Nawawi rahimahullah a cité, a rapporté les différents hadiths qui montrent les mérites des différentes adorations. Je vous conseille donc de le lire afin de vous motiver à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك من الأمور التي تعين على عبادة الله عز وجل وهي المداومة من الصغر. فالذي يتعود عبادة الله عز وجل من الصغر فإن ذلك سيكون سيسهله فيما بعده، لأن الإنسان لما يكبر كلما يكبر كلما كبرت مشاغله وكبرت اهتمامه، فتنصرفه أو تصرفه هذه الأمور عن عبادة الله عز وجل. ولذلك نرى أن كثيرا من الناس، أو بالخصوص من الذين بلغوا من الكبر عتيا، فلما تجدهم مثلا يأتون مبكرين إلى الصلاة وتتحقق فيهم، ترى أن ذلك عادة لهم منذ الصغر. فينبغي للمسلم حتى لا تشق عليه العبادة ويداوم عليها أن يتعودها من الصغر. Également, ce qui aide à être régulier dans l'adoration, c'est de commencer depuis le plus jeune âge. De conseiller et d'apprendre à nos enfants comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de les habituer à venir à la mosquée, d'accomplir les prières à la mosquée, car celui qui est habitué à faire une chose dès son plus jeune âge, ce sera une chose qui sera aisée, ce sera un automatisme pour lui lorsqu'il grandira, car plus la personne grandit et plus ses responsabilités grandissent et plus ses problèmes grandissent, et ceci fait en sorte qu'il, s'il n'était pas habitué à adorer Allah Azzawajal depuis son plus jeune âge, cela deviendra difficile pour lui. Il faut donc éduquer nos enfants et leur inculquer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur inculquer les différents rappels, adhkar, que doit dire la personne durant la journée, de lui apprendre ce qu'il doit dire lorsqu'il entre chez lui, lorsqu'il sort, de lui apprendre les invocations à dire avant de manger et après avoir fini de manger, lorsqu'il rentre dans les toilettes, lorsqu'il sort, lorsqu'il dort et lorsqu'il se réveille, d'apprendre cela à nos enfants dès leur plus jeune âge, car ce sera un automatisme et tu faciliteras tes enfants par la suite à adorer Allah Azza wa Jal de façon régulière. Wa akhtimu bidhalik bi dhikri annahu la budda min takhsis yawmin aw min takhsis waqtin fil yawm يتفرغ فيه المسلم لعبادة الله عز وجل من قراءة للقرآن وذكر ودعاء وغير ذلك من أمور العبادة، فإن هذا لا بد منه. ومهما كثر الشغل الإنسان، مهما كثرت شواغله، فإنه لا ينبغي له أن يسمح في وقت في يومه يدعو الله عز وجل فيه ويستغفره ويقرأ كتاب الله عز وجل. فإن العلماء هكذا كانوا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكان عالما كبيرا، ولذلك لقب بشيخ الإسلام، وكان مجاهدا وسجن عدة مرات، وكان يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر وكان يذهب إلى الأسواق ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر فكانت له مشاغل كثيرة وكثيرة جدا لكن ذلك لم يمنعه من أن يختص في يومه وقتا يدعو الله عز وجل فيه كما ذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله فقد رأى شيخه شيخ الإسلام يدعو الله عز وجل من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم لما ذكر الله عز وجل التفت إلى تلميذه وقال هذه غدوتي إذا لم أتغدى ضعفت قوتي. Une chose importante, c'est de consacrer un moment dans la journée où tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, où tu l'invoques et dans lequel tu récites le Coran. Et c'est un moment que tu dois te consacrer. Et pour le prix d'aucune chose, tu ne dois céder. Quelles que soient tes occupations, quelles que soient tes responsabilités, que tu sois père de famille ou chef d'entreprise ou autre, et que tes journées sont pleines du matin au soir, tu dois te consacrer un moment dans la journée, en dehors des adorations obligatoires, dans lesquelles tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire que je suis trop occupé, je n'ai pas le temps, n'est pas une excuse. Le fait de dire j'apprends la science, je préfère apprendre la science du matin au soir, je n'ai pas le temps de consacrer un moment où je me rappelle Allah azawajal et où je lis le Coran et autres, et où je l'invoque, cela est une erreur. Et si tu es occupé, tu n'es pas plus occupé que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ce grand savant éminent de l'islam qui a été appelé le Cheikh de l'islam. Lorsqu'il parlait dans une science, tu avais l'impression que c'était le savant le plus érudit dans cette science, quelle que soit cette science, que ce soit la science du tafsir, la science du hadith, la science du fiqh, la science de la langue arabe, Al-Balara, quelle que soit la science dans laquelle s'exprimait Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il était érudit dans celle-ci. Et c'était un savant qui combattait dans le sentier d'Allah. Il a combattu les Tatars. Il a été emprisonné maintes et maintes fois et est même mort en prison. Rahimahullah ta'ala. Il ordonnait le bien, interdisait le mal. Il allait dans les marchés avec ses élèves, ordonnait le bien et interdisait le mal. C'était un savant extrêmement occupé. Mais cela ne l'empêchait pas de consacrer un moment dans sa journée dans lequel il invoquait Allah Azza wa Jal, dans lequel il faisait le dhikr et il lisait le Coran, comme l'en a informé son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah. J'ai vu mon cheikh, après la prière du Fajr et jusqu'au lever du soleil, se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer, lire le Coran, et lorsqu'il a terminé, il s'est dirigé vers moi, il s'est tourné vers moi et m'a dit, c'est ma nourriture, c'est ma nourriture, et si je ne mange pas cette nourriture, ma force diminuera. Il se nourrit, il nourrit son âme, et c'était quelque chose de très important de nourrir son âme, de l'entretenir chaque jour afin de garder cette force qui va te permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الصالحين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى. فحتى ألخص ما قلت في هذه المحاضرة, فحتى تعبد الله عز وجل حق عبادته لا بد من العلم بها ومعرفة فضلها والمسارعة إليها والاجتهاد فيها وعدم الإملال, إملال النفس فيها وخوف الرد واستدراك ما فات منها وقراءة سير العلماء والزهاد. Donc pour conclure, pour qu'une adoration ou pour éduquer son âme à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut apprendre cette adoration. Ensuite,
il faut connaître les mérites de cette adoration, il faut accourir vers celle-ci, il faut déployer tous les efforts possibles pour celle-ci, il ne faut pas se lasser de cette adoration, il faut espérer qu'elle soit acceptée d'Allah Azzawajal, tout en ayant peur qu'elle ne soit pas acceptée, il faut rattraper ce que tu as raté de cette adoration, et il faut également lire les biographies des savants de l'islam qui sont des exemples à suivre. ونكتفي بهذا القدر ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أقول قولي هذا وأستغفر الله